We believe that to live better in the world, it means designing collective buildings that are better suited to the needs of those who work in them. And that involves reinventing everything, rethinking the link between the individual, the community, and the space, imagining encounters and flows, and favoring the well-being of all. Let's hear from some of the people who are already acting to change how we live, learn, or get cared for. Architecture in the first place is for the people who are going to use it. People who are going to be in a building or the people who are going to travel around the building and looking at it from different perspectives. What we see in the future is that we use research more and more in the design of our buildings. We do research on what the building means for the people who occupy it and we use it. Our schools are the first places we experience exchanging with others and working together. They are the subject of research into colors, light, and acoustics. What if new factors were taken into account to favor learning and living together? La question du bien-être, des apprentissages en lien avec l'architecture, elle est assez intéressante parce que quand on rentre dans un nouvel établissement, ça saute pas aux yeux. C'est-à-dire qu'on voit que les modèles ont très peu évolué depuis le 19e siècle, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments, des blocs, avec à l'intérieur desquels on va trouver des couloirs qui alimentent des deux côtés des salles de classe qui sont plutôt standardisées, et à l'extérieur du bâtiment, des cours encore souvent trop bitumés, avec très peu d'aménagement. Si le modèle a peu évolué au fil du temps, en revanche, on voit que des facteurs d'influence architecturaux sont pris en compte. Par exemple, la densité, c'est un facteur d'influence, hein, du bien-être ou du mal-être. Le bruit, la lumière. Donc on voit aussi que la lumière naturelle est prise en compte. On a des ouvertures un peu plus grandes aujourd'hui que dans les établissements Pailleron des années 60-70, par exemple. Hein. Et les couleurs. Voilà, les couleurs, on sait, hein, il y a des grandes études qui ont été réalisées en Angleterre, notamment par Barrett, qui montrent que la couleur, par exemple le bleu, va favoriser l'attention, la stimulation des élèves, notamment lorsqu'on met un mur bleu, les affichages dans une salle de classe qui vont aussi impacter sur les apprentissages des élèves. Et puis, bien sûr, l'espace, l'aménagement de l'espace, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des espaces socio-fugaux, socio-pétaux, c'est-à-dire la manière dont j'aménage va à la fois soit favoriser des interactions entre élèves, soit les proscrire. Architecture and interior design are therefore decisive well-being factors. The hospital, as a place of welcome, hospitality, and care, has begun its transformation, adapting to the real needs of caregivers and patients to become first and foremost a place for living. Hospital design is thinking about the architecture as being part of the medical process, like a medical instrument that contributes to the treatment and the well-being of the patients. And at the same time, provide a professional environment for the staff that work there. For a successful treatment process, a hospital needs to make the patients feel at ease and make them confident that they will have a good treatment. And that's not about big architecture, but that's about making an atmosphere that's calm and that makes them feel relaxed. And it's also about having a very good wayfinding and that they are never lost in the building, for example. That's what helps in making a patient feel at ease and which helps his treatment. For several years, with the boom in co-working and open space, well-being at work is already top of mind. But to make them places that benefit everyone, today's challenge is to rethink the physical and psychological comfort of the people who work there. To achieve this, new tools exist to measure well-being and identify solutions. Il y a une prise de conscience croissante sur le sujet du confort au travail et plus largement de la qualité de vie au travail. Depuis le début des années 2000, en fait, les modes de travail ont changé, l'espace de travail a changé, les GAFA ont beaucoup apporté sur le sujet. Les espaces de travail sont plus modulaires, plus flexibles, plus ouverts et sont conçus pour un mode de travail beaucoup plus collaboratif. Et par ailleurs, tout ça a transformé les attentes des collaborateurs en matière d'espace de travail. Les entreprises l'ont bien compris et en ont fait un réel sujet de marque employeur. Aujourd'hui, le confort de l'espace de travail contribue à l'attractivité et à la fidélisation des talents dans l'entreprise. Pour améliorer le confort d'un espace de travail, Candoo propose de commencer par faire un diagnostic. C'est un diagnostic qui porte sur la qualité de l'air, l'acoustique, la thermique
et la lumière. Nous construisons ce diagnostic à l'aide d'un objet connecté, le candoumètre, qui est équipé de capteurs et qui permet donc de mesurer tous ces paramètres-là. En parallèle de cette campagne de mesure, nous allons également interroger les occupants. Lorsque nous établissons ce diagnostic, nous identifions les problématiques principales, les faiblesses constatées par la mesure et par les occupants. Et ça, ça nous permet de faire des préconisations, de proposer des solutions concrètes afin d'améliorer les sujets problématiques que nous avons identifiés dans le diagnostic. In shared spaces, at school, the hospital, or the office, architecture and design are evolving. The goal? To enable us to interact better with others, to learn better, and even to receive better care. In coming years, it's up to all of us to mobilize, to accelerate this transformation, and together, make the world a more beautiful and sustainable place to live.